Mollo, mon gars. Il était... Lui, ça se voit, il attendait, frère. Ça se voit, il attendait pour chanter. Bah, je suis désolé, mon gâté, mais dégage, quoi. Hello, comment allez-vous? On dégage ce texte? On dégage ce texte. Voilà, parfait, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien. Quand j'ai un semblant de pouvoir comme ça qui n'est pas réel, moi, ça me va. Oh, les gars, je suis un peu en forme. Je suis un peu en forme et je suis un peu content d'avoir la forme. Oh, surtout quand il y a une chanson, enfin une musique comme ça qui se lance là, c'est un plaisir. Oh les gars, ça va être le feu. Je vais être content. Bon, forcément, je pourrais pas non plus faire voir. Ah ouais. Ah ouais. Dégage, parce que parfois, j'avoue que Facebook, ils me font des propositions d'amis, mon gars. Acceptable. Excusez-moi. Oh, ça va. Ok, bon. Ok. Non, il y avait une blague sur un handicapé. Je préfère ne pas le dire parce que. Moi, j'avoue que je suis un public assez facile pour ça, quoi. Oui, c'est ça. Il faut que j'aille sur Internet. Vous connaissez le web? Moi j'aime bien le web. Je garde mon téléphone à côté. Bon, forcément, je suis. Quoique, est-ce que je ferais pas ça sur le PC? Le PC, ça va être moins chiant, je pense. Ça va être moins chiant parce que ça va être plus rapide. Ça va être moins chiant parce que ça va être plus rapide. J'ai des points de vue. Là, on va juste continuer du coup. Oh là là, putain, je sais plus comment il s'appelle, mais ah ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais vas-y, vas-y, let's go. Je sais juste qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même manière de crocheter. C'est tout ce que je sais. Voyage rapide, mon gars. Attends, ouais, voyage rapide, tellement, tellement voyage rapide. Allons-y, c'est parti. Donc les gars, ne stressez pas. Cet après-midi, ça va bien se passer. Normalement. Sauf si ce bâtard, il veut crocheter. Ouais, là, je serai un petit peu. Là, je serai un petit peu gros. Moi, ça coûte pied dans la porte. Pas la meilleure manière. Hein. Voyager vers frontière. Vas-y, allons à la frontière. Zemmour nous y attend. Let's go. Je comprends pas, c'est quoi, genre la frontière? Ils voulaient tout prendre, genre il y avait vraiment des frontières? Fous de ma gueule. Oh, niveau 1, oh, ça y est, tout de suite les grands mots. Ah. Non, je vais pas les prendre maintenant, on va se focus sur l'histoire principale. On va se focus sur l'histoire parce que j'ai toujours l'impression que ma porte est ouverte à cause de cette lampe torche, voilà. Cette lampe torche, non, cette... je sais même pas comment ça s'appelle. Cette lumière, voilà. Hop, allons-y. Ah putain, quel plaisir de retourner sur Assassin's Creed. Ça me manquait un peu, j'avais envie. La dernière fois, j'avais un peu la flemme de regarder les Jeux Olympiques, mais il fallait que je regarde. Il fallait que je regarde pour. Je pouvais pas rater ça, quoi. Ça se passe à Paris. Vas-y, je pouvais pas rater ça. Vers Boston, bah alors à Boston. Boston, c'est là où il y a les cowboys et tout, là, non? Oh, sa hache, elle déglingue, mais en même temps, elle a pas l'air de couper. Hein. Ah, c'est en forme de. Oh, c'est le logo d'assassin. Oh. Calme-toi, mon gâté. Ah, c'est des almanachs. Est-ce que les almanachs, on tente de les avoir ou pas? Allez, moi, j'ai envie de tenter d'en prendre un ou deux. Parce que les almanachs, c'est un peu chiant à choper. Ça fait chier un peu. Par contre, j'ai pas l'impression que ça s'est mis à jour et ça m'énerve un petit peu. Seulement un tout petit peu. Ok,
Ok, fais voir la carte vraiment. Voilà, moi je lui me faut Boston. Voilà, j'ai Boston. J'ai Boston. Je suis là. Il y a un coffre apparemment au bout. On va tenter de l'avoir. Ah non, putain, je suis pas là du tout. Si, si, je suis là. Bah, c'est là. C'est là-bas le coffre. Oh putain, d'accord. Oh, vas-y, on va se battre. Vas-y, vas-y, on va prendre le coffre. On va prendre le coffre, ça va nous faire un bon. Ça va nous faire un bon échauffement. Oh, il faut que je les fouille aussi, putain. Pourquoi il fallait que je sauve mon convoi? Bah, c'est pas grave. Je peux pas les fouiller. Il est mort, le gars, là. Ça, il a bugué. Voilà, hop. Il va faire quoi? Il va m'attaquer? Voilà. Rien à foutre. Pire des corps, on se fera rechercher, puis voilà, hein. C'est pas grave. Passe après, hein. Bon, faut que j'aille en haut. Ah, du coup, il me chasse direct, du coup. Bah ouais. Ah, du coup, ça, c'est chiant, par contre. Là, j'avoue, le bug, il m'a mis la merde. Alors, concrètement, j'avais pas besoin. Dans la merde. Ah mon gars, si je vois pas quand il attaque, je suis pas dans la merde, moi. Hein. Voilà. Là, je vois. Allez, bim, dans ta gueule. Voilà, mon gars. Ok, il y en avait un qui est là. Voilà, parfait. J'ai cru l'entreapercevoir, non? Oh, ça y est, putain, ils vont tout le temps m'emmerder là. Je vois même pas la page, mais je la vois pas, je vois pas la page. Mais genre réellement quoi. Faire foutre aussi. Voilà.
bien ici et peut-être pas, voilà. Voilà. Oh lui, si je peux le buter, putain. Petit coup de boule, c'est pas grave. Allez le gros. Oh, je suis dégueulasse. Mort, c'est bon. Parce que c'était vraiment lui qui était chiant sur le coup. Ouais. Ok. Voilà, parfait. Ouais. Ah ouais. Tu vas voir mon copain. On va voir si vous me détectez, moi. Et voilà. Putain, on a perdu du... on a perdu max de temps, mais on s'est chauffé. C'est le principal. Alors, maintenant qu'on a fini de s'échauffer, on va arrêter de rigoler. Ah, Connor, te revoilà. Que viens-tu faire à Boston? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Bah, regarde pas comme ça, t'as la même gueule que moi, toi. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Oui. Mais tu possèdes une esclave. Justice américaine. Suris, j'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que, malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors qu'on balaie ça... Barbare pour ceux qui font de la merde avec. Nos droits. Okay, une fois cette bataille terrible. Gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait la couronne. Ces gens ne sont pas plus libres que Suri.
Tu me donnes des excuses, pas des solutions. Les gens devraient tous être égaux. En même temps. Certains devront attendre. Il faut faire des compromis, connard. Bah ouais, là, sur si coup. Même si cela paraît injuste. C'est... Non, mais là, sur le coup, il a raison. Hey ! Cette maison est à moi, quoi qu'on dise, les percepteurs ! Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes ! La loi nous donne raison ! Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer ! Ah ! C'est de la pisse. Assez ! Défoncez la porte ! Oh ! Ah ! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit convenu. Ah ouais, sauf que on sait pas où il va. Enfin... Ah, j'ai besoin d'aide. Ok. Ça ne vous appartient. C'est bon, mon gâté. Justice est faite. J'attends leur congénère de pied ferme. Je vais mourir. T'es en train de saigner, bâtard. Ça va aller ? Ah oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirais bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. Oui, donc dans tous les cas, t'allais sortir chez toi, quoi. Donc là, c'est les Anglais qui sont un peu cons. Le sous-doigt, c'est juste pour faire la quête secondaire qui est ne pas avoir une notoriété niveau 2. Malheureusement, j'aurais fait... s'il y a autre chose... Enfin, s'il y avait la même chose qui se reproduisait, bah, j'allais être niveau 2. Donc, pour le j'arrive plus à parler... Nickel. Le streamer il bégaye à chaque mot. Donc pour éviter que cette mission échoue, il fallait que je gagne. Enfin que je perde une autorité du moins. Bah, apparemment c'est mort hein. On a fait le bon truc. Débarrassez-vous des collecteurs d'impôts, c'est ce que je fais. Vous êtes incognito, donc on était niveau 1, donc c'est bon. Donc je vois qu'il y a par contre un coffre. Le coffre, moi, il m'intéresse. Excuse-moi toutou, mais il allait abrouiller. Je vais aller bien, hop. Ouais. Parce que du coup, je note les coffres que je prends. Comme ça, je sais que ce que j'ai pris et ce que j'ai pas pris. Parce que dans certains sanskrit que j'ai fait, ça notait pas forcément le... Ça notait pas forcément le... Salut, collecteur des impôts. Bon, ça les gars, c'est illégal de faire ça au collecteur d'impôts. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Bon, ils vont pas vous buter, mais... Quoique. Je pense que si c'est ça, ils te butent. Hein. C'est pas genre la peine de mort, mais genre s'ils te voient en train de faire ça. Ah oh ouais, mais là ça faisait. Ah, ce son est fort. Hein. Baisse le son parce que... Ah mais c'est le bar où il y a Ethan. Voici les gens qui partagent nos idées.
le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ses hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Par contre, Connor, je trouve qu'il n'a pas une gueule à garder en mémoire. J'ai l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par... Mais on s'en bat les couilles. Ça, je l'ai dit. Si vous voulez voir les cinématiques, les gars, Connor, retourne sur les quais. Dites-le moi dans les commentaires. Enfin, dans le chat. Plutôt dans les commentaires. Je suis sur YouTube, moi. Putain, quel connard. Dites-le moi dans le chat, les gars, et puis j'arrêterai de passer les cinématiques. Je l'ai déjà fait. Donc, je connais un peu l'histoire, de toute façon. Limiter l'usage des armes à feu. De toute façon, je les utilise pas, les armes à feu. Donc. Ah merde, si je passe devant eux. Ah ouais. Bah oui. Ah non mon gars, je suis incognito bâtard. Le gars il déchire une affiche devant les... Et puis ils font... Je l'ai retiré. Vous pouvez plus me reconnaître. Oh putain. Attendez, parce que ça... Est-ce que c'est des choses... Je crois pas parce que je vois pas le logo. Ouais, non, pas du tout. C'est des trucs hasardeux. Très bien. Oh, très bien, très bien, très bien. Au moins, ça c'est clair. Utiliser les barils de poudre pour détruire le chargement de contrebande. J'ai pas la vision d'aigle. Ah ouais? Ah ok, j'ai pas besoin d'utiliser... J'ai cru qu'il fallait que j'utilise les barils de poudre, mais pas du tout apparemment. Alors moi je vois ça en faisant Star normalement. Si, utiliser les barils de poudre, bah je l'ai utilisé, mais... Ah, c'est peut-être pas... C'était qu'un supplément, pour si vous voulez. Tant pis, c'est pas très grave, je le vivrai bien. Ah ouais, ouais. Ils sont venus, mais genre direct, hein. Connard, tu te fous de ma gueule. Allez, mais allez. Con lui.
Connor, prends ton temps. Hein. Prends ton temps pour bien te faire griller. Oh là 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 là. Et je me plaignais d'Unity, bah putain. Hop là. T'es mal les pêcheurs. Ah ouais, lui. Ah, pendant 2 secondes, j'ai vu une POV si Newton n'avait pas remarqué la gravité. Faut que j'attende qu'il passe, hein. Allez. Oh, en plus ils vont mourir. Ah non. Oh, j'ai réussi la moitié des trucs, mais bon. De toute façon, si c'est un trophée à avoir, parce que c'est possible, hein. C'est possible que ça soit un trophée à avoir de faire toutes les quêtes secondaires là. Par contre, j'avoue que sur cet Assassin's Creed-là, ce qui est chiant, c'est se faire de l'argent. Tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Tu ne peux pas, par rapport aux autres. Tu dois investir dans les bateaux. Mais les bateaux, il faut que tu y reviennes souvent, quoi. C'est pas de tu pars, t'attends que t'aies le pognon, et puis c'est tout, quoi. Et puis tu payes des améliorations. Non, c'est tu reviens toutes les 15 minutes. Oh, vas-y. Ils ont cru que j'étais au chômage, ces enfoirés, là. Je vous jure. Dans 120 mètres. Ok, let's go. Bah, allons-y. De toute façon, Anna Jean, dans cette tenue-là, qui se promène à Boston contre des putains de racistes, tout va bien. Je vais passer inaperçu. C'est une dinguerie. Intercepté et contre... Où ça? Oh, Zinix, sa mère. Libérer le district. Ah, c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Je crois que c'est bon. Ouais, tout de suite décroît. Tout de suite décroît. C'est... Ta mère qui fait décroît dans les tic-tac. Ah ouais? Ouais, il se passe des choses en Égypte. Approcher du fort, bah j'aimerais bien, mais. Les gars, on fait. Je vous laisse le choix. On va faire le tort. Enfin, le fort. Moi, vous savez ma discrétion. Moi, je suis un assassin timide. J'ai pas envie de me montrer. Donc, est-ce qu'on fait le fort comme un assassin timide? Ou est-ce qu'on va continuer les quêtes, hein? Ou est-ce qu'on continue le scénar? Vous avez 1h30. Alors, je vois qu'il y a Jérém et il y a Jérém. Donc, Jérém, tu choisis. Allez, Jérém, faut choisir. Jérém. Jérém, ouais. Jérém, ouais. Ah, il a pas écouté du tout. Nickel. Le fort ou le scénar principal? Putain, je t'ai fait j'ai fait toute une proposition où j'ai pris mon temps et le gars il a fait bah écoute, je vais écouter que quand tu vas m'appeler. Le fort, let's go. Allons nous occuper du fort comme un assassin timide. Williamsburg, ça existe encore cette ville? Philadelphie, oui. Quand Philadelphie, je crois que c'est un état. Enfin bon, je suis pas là pour faire de la géographie. Pou tout pou 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 pou
Peppa, pom 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 pom. Pardon, excusez-moi, c'est le craquage. Le craquage, le gars il fait du beatbox. Bah, par contre les gars, je vous sors pas des masterclass en beatbox hein. Oh le cochon, bah regardez Peppa Pig, voilà. Wesh. Attendez parce que le gosse il me course là. Ouais t'as de la chance ouais. T'as de la chance gamin. Ça se n'est capi... Ouais bah je... Ah si. Putain c'est ce bouton là pour... Ah ouais. Je me suis dit bah merde il a pas le... Hein. Le son est très fort, il me pète les oreilles. Ah, oh, je peux fouiller. Je me sens que vraiment il était très très fort. Bon, je m'entends plus du coup, mais. Comment ça? Mais comment ça? Mais déjà, je peux même pas. Voilà. Salut, hop voilà, putain. Il y a un coffre. Ok, je peux pas faire double assassinat, très bien, c'est important de savoir ça. Le son est fort comme ça, on ressent l'action. Ouais, mais est-ce que pour vous le son il est fort aussi? Parce que ça me fait chier si le son il est fort pour vous aussi. Parce que je peux pas me permettre de gueuler les gars. C'est ça le truc aussi hein. Je peux pas me permettre de gueuler. J'aime bien quand ils viennent tous me voir. Ils viennent à ma rencontre. Mais ça, mais j'avais baissé le son, mais juste pour moi. J'ai pas baissé le son. Ah ouais? Ça va pas shooter la bonne personne, putain. Allez, mais putain, mais il est con lui. Bah ouais mais il est con aussi putain, il est con. J'aurais pu le buter large. À cause de ça, il me bute un gars que je connais app. Il est con lui. Oh je vous jure. Bon c'est pas grave, il me reste plus que la poudre à péter. Ça devrait. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ouais, ils vont remonter là-haut, voilà. Ils s'en branlent. Ils s'en branlent total. Hop, et voilà. Putain, on est bon. Ah ouais, dangereux.
Ah ouais, mal branlé. Ah ouais, non mais c'est le pouvoir d'assassin. Oh putain de merde. Non, j'ai envie de descendre. Ah, faut que je baisse le... Ah, les bâtards. Faut que je baisse le pavillon. Zone non autorisée, bon, ça va. Tout de suite, les grands mots. Allez, vas-y. Ah non, du coup, putain. Con, lui. C'est chiant, on peut pas voir à travers. Il y a pas des points de compétence. Il y a pas de points de compétence, hein. Ah ouais, non. Putain, allez, c'est magnifique. Oh, le move de fils de pute. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. C'est pris. Oh non, là, je laisse la cinématique. Hein, c'est... Mais c'est de toute beauté. Mais c'est vrai ce que tu dis là. C'est vrai, c'est vrai. Ah, drapeau des États-Unis. C'est quoi le premier drapeau des États-Unis? Genre, il y avait combien d'étoiles? Genre, il y a un pays, il y avait un gros étoile dessus. Une grosse étoile dessus. Ça, apparemment, même eux, c'est mes adversaires, apparemment. Bon, en tout cas, on l'a pris. Et sincèrement, c'était moi personnel. Après moi, c'est parce que bon, je trouve ça magnifique, mais parce que c'est moi qui l'ai joué. Mais en soi-même, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Bon, j'ai eu un peu de mal de temps en temps, mais je suis resté incognito en soi-même. Hein. Garde le bac. Voilà, c'est tout, mon gars. Ah ouais, non mais oh, assassin ou pas assassin? Moi, tu me parles pas d'assassinat, moi. Bah si, du coup. Ah putain, ça c'est chiant un petit peu. Ouais, voilà. Pas besoin de... Ouais, après, il y a là-bas. Il y a là-bas, mais j'ai la flemme. Pour ça, je vais essayer de fouiller le plus possible les personnes, parce que... Ouais, pour avoir de l'argent, ça va être compliqué. Ah putain. J'ai des trucs dans le nez. Quitte à dire j'ai un chat dans la gorge, je peux dire que j'ai un chat dans le nez. Ouais, vas-y mon gars. Ouais, excusez-moi, j'étais obligé. Un moment, faut arrêter les conneries. Moi, ça a racketé quelqu'un, moi, direct. Je me suis senti comme un sauveur. Je me suis dit, Kevin, c'est ta responsabilité. Oh, parfait, je l'ai eu. Oh, let's go. Oh, je m'y attendais pas. C'est lequel que j'ai eu? Je suis où? Là, et du coup je suis où? Un truc qu'on dirait une tub. Ah là, c'est bon. Ne cherchez pas à savoir où il y avait une tub, d'accord? Même moi, après en regardant, je me suis dit, mais il n'y a pas de tub en fait. Mais bon, hop, allons-y. Oh putain, encore dans le bar, mais fait chier. J'aime bien les assassins où tu dois rénover des bars ou des théâtres. Stéphane, qu'y a-t-il? Où est Sam Adams?
Je m'en moque. Oh. Où est-ce que tu vas? Reprendre ce qui m'appartient. Ok. Je sens qu'il va me casser les couilles. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Oh, mais regardez-moi ça! Ces maudites tuniques rouges me tendent la joue! Je vais sortir ton visage au rouge de ta tunique! Ok, lui va me percher, je le sens, je le sens qu'il va me percher. Ouais, oh, ouais, c'est maintenant, mais... Ces bandits me prennent mon père au Canada! Et voilà qu'ils me ravissent ma propriété, ici! Ça suffit. Allez, t'es lent, hein. Pour quelqu'un d'énervé, t'es vraiment lent. T'es mal, mais je marche normal. Non, mon gars, t'es vénère ou t'es pas vénère? Oh là-bas, ça se bat. On se bat contre eux ou on se bat pas contre eux là parce que. Il va se battre contre eux. Nous ne sommes pas anglais, ni les sujets du roi. Nous sommes libres. Mais le roi envoie ses soldats nous maltraiter. De son cas, nos maîtres. Et voilà. La ville est à nous. Oui. Il est temps de prouver. Il est temps de se battre. Oui, bah après là, actuellement. Stéphane, arrête. Arrête et écoute-moi. J'en ai assez d'écouter. Ils viennent dans ma demeure, me prendre mes affaires. Oh, mais je vais me venger. Ah ouais? Celui qui a ordonné ça va payer. Et ses amis aussi. Mais ses amis... Voilà trop longtemps que enfin... je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. Ouais. J'ai l'impression de jouer à Ghost of Tsushima, là. Je cherche la bagarre, l'anglais. Je ne vais pas te décevoir. Voilà. Vos alliés sont attaqués. Mais quel allié? Il a attaqué lui avant? Ah bon, oh, là tu me fais chier. Oh le bâtard, putain il court sa mère. Lui c'est tout rien. Le problème c'est que je vais commencer à me faire repérer moi. La justice mérite d'être réparée. Putain. Mais pas comme ça. Parce qu'on en bute hein, des soldats anglais, enfin. Vous êtes anglais normalement, non? Mais comme un con, tout à l'heure j'ai lancé deux fléchettes, hein, fais chier. Malheureusement, contre les gros. Voilà. Pas besoin de stresser, la musique elle s'énerve pour rien. Bon, le putain de vieux là, tu vas bouger? Ouais, c'est bon. Détruit? Espèce d'incapable! Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son thé a pris feu par enchantement? Crétin! Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est. Et si tu échoues, je t'étriperai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi. Bah, tu sais parce qu'il est noir, quoi. Que comptes-tu faire? Ouvrir une porte. Et c'est pour envoyer vos... Ah ouais? Ah ouais? Mais qui es-tu, bon sang? Oh, Book. Pourquoi vous n'avez pas le droit de spoiler les gens? Oh. Avec ou sans l'aval du Parlement anglais?
Le Parlement anglais. Je travaille pour William Johnson. Johnson ? Achève-le sans souffrance. Pitié ! Mais mon gars, de toute façon, là t'es... Enfin... Pitié de quoi, mon gars ? Tu vas douiller toute ta vie si je te laisse en vie. C'est totalement con. Bah, je passe parce que ça me fait chier. Voilà, nickel. Parfait. J'ai un peu envie de changer de jeu déjà. Voilà. Oh ouais, Dropbox. Ouais, vas-y. C'est rigolo parce que pour avoir le trophée, c'est facile, mais le jeu, il est dur. Je vous montre le son parce que quand je jouerai, je serai trop concentré sur. Je suis désolé, il faut que j'aille travailler. Ouais, il n'y a pas de soucis, Jérôme, il n'y a pas de soucis. Donc là, actuellement, on s'en fout. Il faut juste les faire. Il faut juste y arriver. Attendez, mais en fait, c'est un décalage de ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'entendrai plus tous les résumés ou quoi. Enfin, tous les alertes. Mais c'est quoi le délire? Non, play performance. Ah ouais, ok. C'est trop dur, j'en ai marre. Vas-y, j'en ai marre. Allez. J'ai que 11 heures. Ouais, non, les gars, je vais arrêter là. Vas-y, c'était un live d'une heure. Bah, tant pis. Ouais, tant pis. Tant pis, ouais. Bon, les gars, bisous et à demain.